חיים פינטו. התורה, למצוות כנותי דפרסור. יאו זכות שדודו. Bishut, Morev, Rabodeh, Bishut, Rosh Kollel. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois d'Adar. Donc c'est très bien que le mois d'Adar, c'est Mishinichnas Adam, Aviv Bissimha. Lorsque le mois d'Adar il arrive, on augmente la joie. Et bien sûr, on doit se poser cette fameuse question: qu'est-ce qu'il y a de spécial le mois d'Adar? Chose qu'il n'y avait pas dans les autres mois. Si on fait un peu le calcul, si on fait un peu Hishvan en effet, on voit que dans tout est, il y a le mois de Nissan, le mois de la Géoula, c'est le mois de la délivrance, le mois de Nissan, il y a le mois de Sivan, le mois de Matan Torah, il y a aussi le mois de Av. D'ailleurs, il y a dans le mois de Av, il y a, on dit que Atoubé Av, c'était ce que Haramim disent. Jamais on a vu une simcha en Eretz Israël comme le mois de Toubé, comme le jour de Toubé Av. Donc Av, bien sûr, il y a Chorban Beit HaMikdash, mais aussi dans le mois d'Av, il y a aussi des bonnes choses du mois d'Av. Les Chachamim disent que il n'y avait pas chez les Bnei Israël une simcha comme la simcha qu'ils avaient le mois de Toubé Av. Il y a aussi le mois de Tishré, c'est le mois de la Teshuvah, le mois que HaKadosh Baruch Hu il fait la paix avec nous, il finit à Shem Titaharur. Moi, c'est une phrase qui me fait toujours, elle me donne des frissons. Cette phrase, l'Ifne Hashem, on est à côté de la Kadosh Baruch Hu. Il y a deux phrases dans la Torah qui me donnent des frissons. C'est Vashem Olech Lifnehem, qu'on avait dans Parashat Beshalach. Kadosh Baruch Hu va devant, quel kavod. Kadosh Baruch Hu va devant nous. Quel kavod qui fait Am Israël, il va devant nous. Et l'Ifne Hashem Titaharu. Devant Hashem, on se purifie. Donc, chaque mois, il a sa simcha. Chaque mois, il a son kavod. Mais ici, Hakamim, ils disent, Mishin Ichnas Av, Marbe Bismha. Eh, pardon. Be'ez Hashem. Ah ben voilà. Je l'ai dit, hein. Ça va arriver, c'est Dieu. Je l'ai dit, maman, je suis en pensant. J'ai dit que lorsque Av vient, on augmente la joie. Be'ez Hashem. Eh ben, pourquoi pas. La Géoula. Be'ez Hashem. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on ne peut que s'attendre à ça, vous savez. Il dit, Rabhaim, il une fois sa femme lui a posé la question, il a dit, dis-moi, Rabhaim, comment Mashiach va venir? Il la regarde et lui dit, c'est facile. Mashiach va venir quand, sans que personne ne te dise rien du tout. On va entendre Mashiach, il est venu. Tu es en train de faire la cuisine, et moi je vais venir à l'échelle, je vais lui dire, tu sais, madame, Mashiach, il est là. Comme ça, il va venir, Mashiach. C'est quelque chose. Quand quelqu'un marche dans la rue, il trouve un billet. Il ne savait pas qu'elle allait avoir là-bas un billet, il le trouve. Comme le mazal aussi. Dans le mazal aussi, on ne peut pas savoir c'est qui notre mazal. Moi, je voulais marocain, je suis tombé sur un algérien. Voilà. On ne sait pas. Le mazal, c'est on ne sait pas. Le mazal, c'est la richesse aussi. On ne sait pas d'où elle vient. On ne peut pas savoir. Il y a des gens qui travaillent du matin au soir, ils ne gagnent pas d'argent. Il y a ceux qui ne travaillent même pas, ils gagnent d'argent. On ne sait pas. Le mazel, personne ne peut dire c'est de là. Donc, la compagnie, Mashiach, il va venir comme ça. Sans se préparer, sans rien. Il va venir comme ça. C'est imminent. C'est la raison pourquoi. Ahakelo. On dit Ahakelo. Même s'il attend, Ahakelo. On attend. Tu attends. Donc, à Bouddhaï, la question se pose pourquoi lorsque. Le mois d'Adar, il arrive. Mishnichnas Adar, Marbe Bisimha. Qu'est-ce qu'il y a de spécial alors que chaque mois est sa simha? Personnellement, ben, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je me sens tellement bien au jour de Kippour. Kippour, c'est. Tout le monde a peur de Yom Kippour. Je ne sais pas, moi, je suis content le mois de Kippour. C'est vrai, je pleure beaucoup. Et parce qu'il y a des paroles, il y a des phrases dans la prière de Kippour qui te donnent. Qui te réduisent, qui te montrent que tu es zéro. Et c'est la prière de Kippour, elle est très émotionnelle. Mais quand même, j'adore le mois de Kippour. Jamais je mange ou je bois toute cette prière de Kippour. J'attends toujours une demi-heure, trois quarts d'heure. Une fois même, j'ai attendu deux heures. Parce que je voulais encore
continuer à sentir le jour de Kippour. Ben, mais le jour de Kippour, c'est les gens, ils sont stressés pour aller boire le café et manger. Moi, non. Parce que c'est un jour, l'Ifnei Hashem, tu es devant Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux te séparer de Akadosh Baruch Hu? Quel jour? Et tant que tu n'as pas mangé encore, tant que tu es encore dans Kippour, tu es encore devant Akadosh Baruch Hu. Il y a encore Ematadine, il y a encore la peur du jugement avec toi. Donc pourquoi Mishichnas Adam Abibisma? Pourquoi? Ça, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième question que je me suis posée est: qu'est-ce qui s'est passé exactement que les Goyim, ils voulaient tuer les Juifs? Parce que Haman, il a dit, il faut exterminer les Juifs. Et Haman, il a dit, préparez-vous l'année prochaine, le mois, le 13, 14, Adar, tuez les Juifs. Et soudainement, on voit dans la Megillah, hier, ils étaient mes ennemis. Hier, ils voulaient me tuer. Hier, ils ont voulu tuer toute ma famille. Et aujourd'hui, ils se convertissent au judaïsme. Quoi? Parce que, alors quoi, ils sont convertis parce qu'ils ont peur? C'est quoi ça? C'est quoi Kinafal Pahad Modecha Alehem? Il y a quelque chose ici qu'on doit essayer de comprendre. Est-ce qu'ils sont convertis par la peur ou ils se sont convertis pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, ils voulaient me tuer et aujourd'hui, ils me respectent, ils deviennent juifs. Comme moi. Et au contraire, ils vont me faire cabot du tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire une chose. Dans la Torah, c'est écrit que Sota, une femme, qu'on ne sait pas si elle a trompé son mari ou pas. Alors, ce n'est pas une vie. Lorsqu'il y a un safek, lorsqu'il y a le doute, lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de vie. Moi, je connais beaucoup je reçois les gens. Et beaucoup de fois, je reçois des gens, des hommes. Voilà, avant-hier, j'ai reçu quelqu'un qui me dit, Rabbi David, fais-moi avec une bracha pour que sa femme ne fait pas la bêtise. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, je ne sais pas, je trouve des textos, je la sens pas. Je dis, ah, tu n'as pas le droit de vivre comme ça. Mais il n'est pas bien, il pleurait le pauvre, et il ne savait pas quoi faire, il était dans un état terrible. J'ai aussi écouté avant-hier encore un autre. Pareil. Barabim, il n'y a pas de vie. Alors aujourd'hui, c'est le Beit HaMikdash. On aurait résolu le problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Beit HaMikdash, parce que ce monsieur-là, il a même pris un détective. Et le détective lui a dit, malheureusement, oui, je les ai vus rentrer dans l'hôtel. Ah, maintenant, alors là, c'est. Ils sont restés là-bas 4 heures. Alors, lorsqu'il a parlé avec sa femme, sa femme lui a dit, je parlais avec lui business. Il n'y a plus de preuve. Maintenant, à l'époque de Beit HaMikdash, qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque de Beit HaMikdash? Quelqu'un qui l'a averti sa femme, ne parle pas avec lui, ne parle pas avec tel et tel, et ne te cache pas avec lui, ne fais pas cache-cache avec lui dans une chambre. Et elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller chez le Cohen. Et le Cohen, il va prendre un verre. Il va mettre là-bas le nom d'Hachem. Et le nom d'Hachem va être dilué dans cette eau. Et il va boire la femme. Alors, si la femme, elle a fait une faute, et sait que si elle boit cette eau, c'est dangereux pour elle. Donc, elle va dire à son mari, tu sais quoi? Je suis en divorce. Je ne vais pas boire cette eau. Voilà. Et c'est fini. Et c'est close. Mais on ne peut pas la punir. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas d'édim qu'ils ont vu. Il n'y a rien. On ne sait pas. Donc, on l'est. Aujourd'hui, malheureusement, quelqu'un, alors à l'époque, lorsqu'il y avait quelqu'un, un mari, qui là, ça fait, qui a un doute, si sa femme l'a trompé ou ne l'a pas trompé, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On va aller chez le Cohen. Et le Cohen, il va arranger la chose. Comment? Avec l'eau de Sota. L'eau de Sota. Si elle a fait quelque chose, elle va voir cette eau, elle va lui arriver quelque chose. Si elle a fait, elle va voir cette eau, et si elle n'a pas d'enfant, elle va avoir des enfants, elle va être bénite. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Mais à Kopaï, il faut savoir une chose. Quelqu'un, lorsqu'on a un doute, quelqu'un qui a un doute, il est malheureux. Quelqu'un qui a un doute, il est malheureux. Rabotaï, vous savez, quelqu'un qui a un doute, non, Avodat Hashem,
Je sais pas, c'est quoi un doute? Vous savez c'est quoi un doute dans Avodat Hashem? Vous savez c'est quoi un doute? Je vais vous expliquer. Un doute, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous tous, Baruch Hashem, les Avrechim, nous tous, on est des Bnei Torah. Moi, j'ai des centaines de familles sur mon dos, j'ai des yeshivot, j'ai fait des cours, j'ai fait Baruch Hashem. Mais ça ne veut rien dire avec ma barbe blanche et tout ce que vous pouvez croire sur moi, ça ne veut rien dire. Vous savez que c'est quoi le doute? Le doute, c'est quelqu'un, il change un peu dans l'Avodat Hashem, à lui. C'est qu'il n'est pas 100% avec Akadosh Baruch Hu. Pour être à 100% avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui ne change pas. Un derech. Voilà mon derech. J'ai un derech. Vous savez, l'autoroute, c'est l'autoroute. Voilà. J'ai un derech. C'est ça le derech. Celui qui suit ce derech-là, le chemin d'Hashem, c'est pas un jour comme ça, un jour comme ça. Comme une femme. Une femme. Chaque fois qu'elle vient chez moi, elle est habillée comme, vous savez, elle est habillée, maman, elle a été choquée, presque elle s'est évanouie, et ne savait pas que je me trouvais dans l'avion qu'elle m'a emmené au Mexique, il y a 2 semaines. Elle ne savait pas. Elle était avec son mari. Alors, elle était habillée en des vêtements, pas de tzniout du tout. Donc, moi, de mon côté, j'étais assis là, c'est, tu vois, les gens qui rentrent, c'est pas de ma faute. Alors, moi j'étais choqué, c'est là où c'est passé là. Et elle a dit, ouah! Alors, tout de suite, j'ai baissé les yeux, elle savait pas où se à tel point, elle a commencé à parler toute seule, elle marche, et dit, elle a commencé à dire, quelle bêtise j'ai fait, mais elle a pas dit quelle bêtise j'ai fait, elle a dit ça avec des mots très vulgaires, et encore devant moi. Très très vulgaire. Alors son mari lui dit, mais attends, mais ne parle pas comme ça. Alors, de plus, comment tu es habillé, tu parles comme ça devant lui. Elle lui dit, ah, comment je vais dire? Alors encore, elle est devenue folle. Et à un moment donné, elle était assise, mettant derrière moi. Alors vous imaginez, 12 heures de vol derrière moi, comment elle a été? Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas allumé sa télévision. Elle a, à un moment donné, son mari est venu, mais on est désolé. Ma femme, elle est désolée. J'ai rien dit. J'ai dit non, c'est ça. J'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun il vit comme il veut. Mais pour vous dire, ça, c'est pas des Hachem, ça. On peut pas venir chez un rab habillé comme une hassida, comme une cigogne. Et après. Et après faire un apport, ça c'est pas des Hachem, ça c'est pas Avodat Hachem. Avodat Hachem, c'est si j'étudie, j'étudie, c'est ça Avodat Hachem. Il faut prendre une ligne. Regardez Abraham Abino, c'est une super phrase qu'on dit sur Abraham Abino. On dit Abraham Zakin Baba Yamim. C'est quoi Baba Yamim? Tout le Farshim, comme ils expliquent Baba Yamim, quand Abraham Abino, Alva Shalom, il a rempli ses jours. Baba Yamim, il a rempli ses jours. C'est-à-dire que ses jours, ils étaient pleins. Ces jours, c'était pas des jours comme ci, comme ça. Ou un jour il va être Eved Hashem, un jour il va se faire à Kadosh Baruch Hu, un jour non. Non, Baba Yamim. Il était mamash. Abraham Abinu, c'était Baba Yamim. Ça, c'était Abraham Abinu. Peut-être le Safek, c'est, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Bah? Le Bah, il dit pourquoi les Grecs, ils sont entrés en Israël. Comment? Le Bah, il pose une belle question. Il dit comment le Beit HaMikdash? C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Le Beit HaMikdash entier, le Beit HaMikdash, ils sont rentrés les Grecs, ils ont fait des sacrifices au Beit HaMikdash, à Avodah Zarah, ils ont fait des bêtises à Beit HaMikdash, ils ont éteint la menorah, ils ont rendu impur l'huile, ils ont. Comment Kachoury a accepté une chose pareille? Et le Bahi dit, Nitrash Loba Avodah. Parce qu'ils se sont, parce que les Juifs à l'époque, ils sont un peu relâchés de la tchila. Ils sont relâchés. Et c'est quoi? Ah, je vous pose une question. C'est quoi relâcher? C'est quoi? Quoi? Ils ont pas mis tchilin? Non! Ils ont mis tchilin. Ils ont mis tchilin de Rashi Rabinoutam. Peut-être ils ont mis les tchilin de Shimon Sharaba. Ils avaient un talit. Il y avait un techelet. Le bleu là qu'on mettait dans le talit. Ils priaient. Mais une prière froide. Une prière froide, un limoud froid. Un froid.
Vous savez, lorsqu'il y a un limon de froid, je vous donne la parole d'honneur. Lorsqu'il y a un limon de froid, lorsqu'on étudie froidement, lorsqu'on prie froidement, on peut faire n'importe quelle bêtise. Parce qu'on est froid. Mais quelqu'un qui lit, moi David Pinto, lorsque je suis en plein écriture, lorsque je suis en plein limon, vous savez, il peut avoir 1000 téléphones, je ne les réponds pas. Je ne les réponds pas. Mais lorsque j'écris comme ça, ou j'étudie comme ça, n'importe quel bruit, je l'entends, je me lève et je réponds. Vous le savez, mieux que moi, c'est le MS ça. Lorsqu'on est dans le limoud, ça dépend quel limoud, ça dépend comment on est dans le limoud. Lorsqu'on est dans un limoud, ben amal, maman, on étudie, ben, avec un amal, avec un effort, on prie, maman, on est connecté à Kadosh Baruch Hu, on sent rien autour. Mais lorsqu'on est froid, lorsqu'on prie, on étudie, n'importe quelle bêtise qui peut arriver, on peut se relâcher. Et c'est ça la bataille. Écoutez bien, il y a deux semaines, j'étais au Mexique. Je vous raconte quelque chose que j'ai vécu, hein. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Il y a un monsieur qui rentre chez moi. Il rentre avec son fils. Ils avaient un problème vraiment grave. Donc peut-être ils attendent ma réponse. Voilà, je l'écoute. Ils attendent ce que je vais dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le téléphone à lui, il a commencé à sonner. Son téléphone, il a commencé à sonner. Alors il prend le téléphone, il s'est énervé. Il a commencé à l'éteindre. Il a cru qu'il l'a éteint. Maintenant, je reprends pour lui donner une réponse. Et encore le téléphone, il sonne. Et ça là, il s'est énervé. Encore une autre fois, il essaie pas tous les moyens de l'éteindre. Il a commencé même à l'insulter en espagnol. Il a dit une moque. Et à la fin, il a cru qu'il l'a éteint. Il a commencé encore. Maintenant, encore, je reprends pour lui donner une réponse. La troisième fois, je dis, tu sais quoi? Prends le téléphone, assieds-toi sur le téléphone. C'est ce qu'il a fait, il m'a écouté. Déjà, il ne fallait pas qu'il m'écoute. Et la deuxième question, quoi, votre téléphone ne savait pas l'éteindre? Qui ne sait pas éteindre son téléphone? Dites-moi. Comment, trois fois, il n'arrive pas à éteindre son téléphone? Répondez-moi, comment? Moi, je ne sais pas éteindre mon téléphone. C'est tellement facile. Le téléphone, tu l'éteins. Lui, il n'arrivait pas à l'éteindre. Vous savez pourquoi il n'arrivait pas à l'éteindre? Parce que sa tête était prise par ma réponse. Il attendait que je lui donne une réponse. Donc, il pensait qu'à ma réponse. Donc, il ne voyait pas le téléphone. Il n'a pas réussi à éteindre ce téléphone parce qu'il était concentré. Qu'est-ce que Rabbi David va me donner? Parce qu'il avait un grand problème. Donc sa tête était prise par son problème et la réponse que j'allais lui donner. Donc sa tête n'était pas concentrée. La preuve, une fois que j'ai une réponse, et le téléphone, il a sonné, il a éteint tout de suite. Il ne s'est pas énervé, il a éteint. Alors moi, j'ai appris un moussard de ça. Vous savez quel moussard j'ai appris? J'ai appris un moussard terrible. Et je vais vous dire, ça ne va pas vous faire plaisir, comme que moi aussi, ça ne va pas me faire plaisir, parce que c'est un moussard que je l'ai dit pour moi. Si on est en plein prière de Hamida, on fait la Hamida, et j'oublie d'éteindre mon téléphone, voilà, il est là, mon téléphone, et je fais la Hamida. D'ailleurs, j'ai pas. Bon, ça arrive. Ça peut arriver que le téléphone toujours. Bon, les téléphones toujours. C'est psychologiquement dans ma tête que dès que je vais là où je vais, avant que je rentre, j'éteins les téléphones. Que je sois à la Yeshiva, là où je vais, voilà, ils sont éteints. Avant que je rentre, je les ai toujours. Là où je vais, une soirée, là où je vais, j'éteins les téléphones. Pour ne pas que je sois dérangé par mes téléphones. Avec toi, vous êtes en train de prier. Le téléphone, il semble. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre et vous allez l'éteindre. Mais ça ne va pas vous arriver ce qui est arrivé à ce monsieur mexicain. Que vous allez être. Ça va vous faire perturber. Ça, c'est la preuve qu'on n'est pas concentré dans la prière. Si j'arrive à éteindre le téléphone doucement dans la Hamida, c'est que je ne suis pas concentré dans la prière. C'est que voilà, j'arrive à trouver le bouton et je l'éteins. Ma tête n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. J'ai vite HM, l'Église. C'est ça, Amalek. Tout le travail de Amalek, c'est ralentir le juif
de sa avodat Hashem. C'est le travail de l'Amalek. Ralentir le juif dans sa avodat Hashem. Le ralentir dans son service à Kadosh Baruch Hu. Le ralentir dans l'étude de la Torah. Le ralentir dans la prière. Le ralentir. Ayesh Hashem bikrebenoim aïn. Est-ce que tout ça veut dire que le travail de Amalek sur nous, c'est de nous apporter les sphères. Parce que un homme qui se ralentit, c'est qu'il a un safek. Parce que le mot doute, c'est quoi doute? Doute, c'est une conviction. J'ai pas une forte. Mais quelqu'un, lorsque vous dites David Amelech alav shalom, hatzot laila akum leodot lach, c'est une affirmation. À minuit, je me lève. Et si David Amelech il a écrit ça dans Tehillim, c'est que chaque nuit, il se lève à minuit. Il a écrit ça dans Tehillim, David Amelech. Hatzot laila akum leodot lach. C'est pas qu'une fois. C'est pas que deux fois, c'est toute une vie. Hatzot laila akum leodot lach. Lorsque David HaMelech dit, Aïra Shahar, je réveille le matin, c'est pas de temps en temps. C'était une avoda constante, tout le temps. Le matin, c'est moi qui le réveille. C'est pas le réveil qui me, c'est pas le matin qui me réveille, c'est pas le soleil qui me, c'est moi qui réveille le soleil. Lorsque David HaMelech dit, Vetorah tra betoch me'ay, et ta Torah, elle est dans moi, c'est pas de temps en temps, c'était libre, on le lit chaque jour. Ça veut dire que c'était toute la vie de David Amir, c'était comme ça. Lorsque David Amir dit, Ma hafti toratecha, kolayu misihati, combien j'aime la Torah, toute ma journée, je discute que Torah. C'est que David Amir, à la vachalom, toute sa vie, c'était la Torah, il vivait à travers la Torah. Lorsque on te dit, David Amir, il rentre dans la salle de bain, et voilà, il se lave. Et voilà, il voit qu'il est, voilà qu'il voit qu'il se voit nu. Waouh. Quoi, je suis nu? Et la Torah, comment je vais te protéger? Ah, bon Hachem, il se rappelle, j'ai une mitzvah qui me protège, la Brit Mila. J'ai fait la Brit Mila, elle me protège. C'est une mitzvah qui est avec moi, lorsque je dors, lorsque je mange, lorsque je suis à la salle de bain. C'est-à-dire que David HaMelech, chaque fois qu'il rentrait à la salle de bain, il avait cette idée-là. Voilà comment David HaMelech, il vivait avec Akadosh Baruch Hu. Il vivait comme ça. Sarah Boutaï, c'est un chemin extraordinaire. C'est ça, Rabotai. C'est ça. Lorsque Hafetz Haïm, il te dit, comment on peut bihyat Amalek aujourd'hui? Comment on peut éliminer Amalek aujourd'hui? Il te dit, Hafetz Haïm, le seul moyen pour l'éliminer, c'est par la Torah. C'est tout. C'est tout. Toi, tu étudies la Torah, et la Torah que tu étudies, elle fait son travail. Elle détruit Amalek. Elle fait son travail. Et comment? Ben, ne cherche pas à savoir comment. Comme ça. Parce que c'est Mihet Amalek. Il y a une mitzvah de Raïta. Le mitzvah de Raïta, il faut détruire Amalek. Et je ne connais pas où elle est Amalek. En plus, aujourd'hui, on ne peut pas détruire Amalek. Aujourd'hui, c'est le monde, on ne sait même pas. Le monde a changé. On n'a pas le droit, on n'a pas Beth Amikdash, on ne peut pas. T'inquiète pas, toi, étudie la Torah. Et Amalek, il va s'évaporer tout seul. C'est tout. Il va s'évaporer tout seul. Ou il va devenir gentil, je sais pas. Ne cherche pas à savoir. La beauté, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais toi, vous comprenez que Amalek, malheureusement, Amalek, c'est tout le temps. Amalek, c'est lorsque, malheureusement, j'ai vu dans un livre qui dit, je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière, Sfat Emet. Il dit que malheureusement, écoutez bien ce qu'il dit de Sfat Emet. Il dit, Am Israël n'ont pas, lorsque le fait que Am Israël, le fait que, parce qu'il se pose une question, il dit comment Am Israël, ils ont pas reçu la Torah ils ont reçu la Torah Béonès, c'est pas Beratson, alors c'est le matin Torah, et c'est pas avec volonté, pourquoi c'était involontairement, c'est comme, ils n'avaient pas le choix, c'est comme par exemple, je vous fais du bien. Je fais tout le temps du bien, je fais du bien. Et un jour, je vous dis, si ça ne vous dérange pas, vous allez m'aider à déménager. Vous n'allez pas me dire non. Vous allez me dire, bon, ça va, d'accord. Avec plaisir. Mais quand même, c'est un travail, c'est déménager. Le déménagement, c'est un peu dur. Quelque part, les ministres aussi, ils ont dit, avec tout le bien que la Chine nous a fait, on va pas lui dire non. Bon, les goyim, ils ont dit non. Les nazis, ils ont dit non parce qu'eux, ils ont rien. Ils n'ont pas vu que les miracles en Égypte. Ils n'ont rien vu.
nous, le bon Dieu nous a fait ça et ça et ça, on est obligé. Mais entre vous et moi, comment ils sont arrivés à penser pareil? Bon, Hachem nous a fait plaisir, avant on lui fait plaisir. Comment tu fais plaisir? Mais le but de la santé des Juifs, c'est pour recevoir la Torah. Comment tu peux parler comme ça? Eh bien, il dit, Sfatemet, c'est à cause d'Amalek. Lorsque Amalek, il est venu leur faire la guerre, il a refroidi les Juifs. À tel point, et pourtant ils ont dit, Na'a se vinishma, bonus olam. Même Malachim, même Akash Baruchou, il a dit, mais Migila Razé les Banaï. Attends, mais bonus olam. Hakam, ils disent que Amisa, ils ont dit, Na'a se vinishma. On fait, on écoute. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à accepter. Alors, comment Hafiz, le Sfat de Midi dit, ils ont dit, Na'a se vinishma, Bikfia, de force. Comment tu peux dire? Vous savez, le Amalek, le Tsara est très très fort. Hein. Le Tsara, beaucoup de fois, vous savez, il y a quelqu'un, je ne dis pas de nom, quelqu'un ici, quelqu'un, pas ici, pas, quelqu'un, à qui j'ai demandé de l'aide pour un mariage pour quelqu'un que Bémet est dans le besoin. Vous savez comment il me dit? Avec plaisir, mais avec plaisir, combien? Tu le vois, comment il m'a parlé? J'allais lui dire, alors, d'avoir 10 000 euros. Combien? Avec plaisir. Eh bien, bien sûr. J'ai dit, ce que vous voulez. Vous savez, il a besoin de 10 000 euros, mais ce que vous voulez. Avec plaisir, mais ça va, je vais. Il n'y a pas de problème. Combien il a envoyé? 50 euros. Eh, Moutlobo, j'ai dit. C'est ça? Il était tellement heureux, content. 50 euros. Et donc là, c'est quelqu'un, puis il y en a quelqu'un qui l'a. Il a fait blé à une bar mitzvah qui a coûté peut-être 700 ou 800 000 euros avec une bar mitzvah. 150 euros. Voilà. Et la façon comment il a parlé. Pour vous dire, c'est beaucoup de fois, c'est ça. C'est ça. C'est vrai, ils ont dit la asevinishma. Ça ne veut rien dire. Mais ce la asevinishma qu'ils ont dit, on fait et on écoute. Avec ça, quand je vois où qu'il les a élevés, il a dit, ah, ils ont parlé comme les malachim. Mais à Kachouk, il les a vus. Il a dit, aïe, 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 je vais vous envoyer un man. Beaucoup de fois, pour faire plaisir à quelqu'un, on dit, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On dit, mais atat serechenu l'idée matenos basavadam, velo l'idée halvaatam, shematenata me'outa, vehirpata me'ouba. Aide-nous à ne pas dépendre des amis. Il ne faut pas qu'on dépende qu'ils nous donnent quelque chose. Parce qu'ils nous montrent qu'ils sont prêts à nous aider. Et lorsqu'on leur demande l'aide, leur matana, elle est petite. Et après toute une vie, tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi? Tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi? Toute ma vie, il va me faire honte. Toute ma vie, il va me rappeler bien ce qu'il a fait pour moi. Mais lui, il a oublié ce que j'ai fait pour lui. Il va qu'il se rappelle ce que lui il a fait pour moi. Mais toi, Rahma, tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Beaucoup de fois on dit à Kadosh Baruch Hu, beaucoup de fois on dit à quelqu'un, noir, comment ça va? Je vais faire ça. Moi je fais. Du matin, on dit qu'on fait, on fait, on fait. Mais Tachlis, on ne fait rien du tout. C'est ça Rabotai Amalek. Mais toi, vous avez compris que Amalek, c'est Safek. Que Amalek, c'est le doute. Que Amalek nous fait croire qu'on est des bons juifs. Hein, Marciano? Ou pas? Qu'est-ce qui te fait croire le Yitzhara? Hein? Et il te fait croire que tu es super, tu n'as rien à te reprocher. Et il te fait croire que tu es comme ton grand-père. Mais avec moi aussi, il me dit le Yitzhara. Il me dirait, David, tu as dépassé ton grand-père. Je ne l'ai pas ordonné, il me le dit. Tu as dépassé ton grand-père. Ton grand-père, il voyageait pas, il était avec là-bas, si. Et toi, tu voyages, tu fais. Et après, moi, je réponds le Yitzhara. Je dis, moi, mon grand-père, il ne voyageait pas, il était assis, mais il travaillait. Moi, je profite. Moi, je voyage. Et je profite. Ne lui dis pas, je suis comme mon grand-père. Je fais beaucoup de bétotora. Ne lui dis pas. Moi, peut-être, j'ai un intérêt. Mon grand-père n'avait pas d'intérêt à ce qu'il faisait. Alors, ne me colle pas comme de me dire, je suis comme mon grand-père. Je suis loin d'être. Pas, allez, arrête. Il faut le répondre, etc. Moi, il faut le répondre. Vous savez, il y a deux semaines,
à New York. Alors là, je vous raconte quelque chose, hein, de privé, 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 privé. Quelque chose de très secret. Voilà. Il y a à New York, j'avais reçu une lettre de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il m'a, pour quelque chose que j'ai pas voulu faire pour lui, il m'a agressé, il m'a attaqué, il m'a écrit une lettre très très sale. Et maintenant, c'était le matin, il était sur mon lit. Il y avait deux lits dans ma chambre, je les mets sur le lit. Et chaque fois que je vois la lettre, je lui dis, celui-là, Nadine, moi, celui-là, demain, je vais m'occuper de celui-là. Et celui-là, et vraiment, il avait besoin de moi, je lui dis, celui-là, je vais m'occuper de lui, demain. Maintenant, c'est 1h du matin, je reçois la lettre, je lui dis, demain, je ne vais rien faire, mais demain, je m'occupe de lui. Alors là, il va recevoir une tannée pour toute sa vie. Et cette femme-là, sa femme, qui est le divorce, elle est. Et là, il crève et il va être renvoyé de là, papa. Le matin, je me lève, je vois la lettre. Ah, toujours il est là encore. Pour tout à l'heure. Mais donc, je rentre, je prends ma douche. Une fois que j'ai pris ma douche, et je devais descendre en bas, c'était 16h du matin. J'avais un chirurgien à 16h du matin à New York. Je descends, puis il est vide. Tu vas descendre, tu vas faire un chirurgien. Tu vas faire ta prière. Et toute cette prière, tu vas appeler tel et tel monsieur. Tu vas commencer à lui parler de celui-là. Alors, à quoi ça te sert tout ça? À quoi ça te sert de donner un cours d'autorat? Et de quoi tu vas parler? Tu vas parler, je ne sais pas, de Haman, du Moussard. Donne-toi du Moussard à toi. Et après, tu vas faire quoi? Après, tu vas faire la prière. Tu vas dire, c'est l'Ahlano, pardon Hachem, Hachibino. Comment? Tu es en train de faire une teshuvah, sachant qu'après la teshuvah, tu vas faire une avera. Allez, David. Alors quoi? Après, la déchire là. Quoi, je la déchire, mais c'est une preuve que j'ai dans mes mains, je ne peux pas la déchirer. David, elle déchire. Ça, c'est marqué Satan. Dès que j'ai pensé ça, je sors, je prends la déchire, je la déchire, je descends en bas, je fais mon cours. Après, j'étais heureux, j'étais content. Je me suis senti bien. J'ai cassé le safek. J'ai cassé le tzara. C'est tout. C'est tout. Le tzara, il est comme ça. Le tzara, tout son travail est Amalek. Amalek, il vit encore. C'est pour ça qu'on dit, mais il faut effacer Amalek. C'est une préparation avant que Mashiach va venir. De plus qu'on efface Amalek, on va réduire le tzara. En le réduisant, on réduit sa force, et bien, Hashem, le Mashiach, il va venir. Hashem, il y aura. On sera azoré, on aura le mérite. Alors, le mois d'Adar, c'est pour ça qu'on dit, Mishichnas Adar, ma bébé Simha. Parce que le mois d'Adar, c'est le mois qu'on doit être heureux, parce que c'est le mois. Ou Akadosh Baruch Hu, il nous a montré combien il nous aime. Dans l'histoire de Haman et Am Israël, on a vu toute l'histoire, c'est Vena Afochou. Tout ce que Haman a pensé nous faire, c'est venu en bien. Tout le mal qui voulait arriver, tout ce mal, il s'est Mamash n'est à part des Tevah. Il s'est rendu bien. Imaginez-vous, mes amis. Mordechai, il parle que l'hébreu. Il y a dans un coin, Bigdan Vateresh. Il parle une autre langue que personne ne connaît. Une langue inconnue. Il parlait comment tuer Hachveros. Et Mordechai était là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais, Mordechai, là-bas? Il entend. C'est pas une Ashgaha Pratit. Et c'est grâce à ça que le peuple juif a été épargné. Cette discussion de Bigdan Vateresh. Pour tuer Ahasuerus, et Mordechai a dit à Esther, voilà ce que j'ai entendu. Esther a dit à Ahasuerus, Ahasuerus il a fait une enquête, ça s'est avéré vrai, le manger qu'il devait manger lors de l'aide de chiens, les chiens l'ont mangé et sont morts, donc ils ont été pendus. Bon, la logique, elle est quoi, Rabbi? C'est quoi la logique?
Tu m'as sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous paie tout de suite. Ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'était écrit. Ils ont écrit dans des livres ce que Mordechai a fait pour Ahasvéros. Il a reçu aucune récompense. Et quand la récompense elle est venue, quand Ahasvéros a décidé de donner une récompense, cette fameuse soirée qu'il n'avait pas à dormir. Il avait été affaibli, l'époux qui lui faisait gratter le corps. Il se tourne à gauche et à droite. Et après, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Et il n'arrive plus à droite. Il n'avait pas d'exhumé, il n'avait rien du tout pour prendre. Il avait peut-être pris l'exhumé, peut-être il a même pris une boîte entière. Il n'arrivait pas à dormir. Et puis quoi? Elle est aujourd'hui à la télévision, aujourd'hui, à, malheureusement, il y a des choses. Qu'est-ce qu'il peut. Des jeux. Ahasvéros, il était tellement collé qu'il n'avait pas à dormir. Il dit à ces messieurs, apportez-moi les livres, on va voir qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce qu'on a fait pour moi. Et voilà, on a lu que Mordechai, il a sauvé la vie de Ahasvéros. Et qu'est-ce qu'on lui a fait comme récompense? Rien. Rien? Rien? Comment? Moi, Ahasvéros, on me sauve la vie et je ne donne pas de récompense? Rien. Et voilà, on entend bon, 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 bon. Haman qui arrive. Mais Bahatser, Haman. Haman! Oh la haram. Où est Haman? Et qu'est-ce qu'il veut faire Haman ici? Faites-le rentrer. On va voir ce qu'il veut. Et Haman il rentre. Mais toi, Ahasvéros, il pense à Mordechai. Il m'a sauvé la vie. Et je lui ai rien donné. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Là, je suis venu pour te demander la tête de Mordechai, le pendre. Pendre celui qui m'a sauvé la vie. Très bien. C'est ça. Hein? C'est la folie, ça. S'il y a de quoi créer, je sais pas, c'est. Ah bon. Soudainement, il lui dit, dites-moi, Haman, qu'est-ce qu'un roi qu'il aime quelqu'un, pour honorer ce quelqu'un, quel cavote il mérite? Et Haman, après, il pense, qui est comme moi, le bien-aimé de la cour royale? C'est moi qui l'aime. Ah ben, je vais en profiter. Ah ben, celui que le roi, il aime, on va lui mettre sur sa tête une couronne, on va mettre sur sa tête une couronne, ça a échappé le mot couronne. Ça veut dire, Allah, tu veux ma place, tu veux la couronne du roi. Je veux le cheval du roi. Je veux. Il faut lui faire ça. Avant tout ça. Dis-moi, tu es venu demander la tête de Mordechai. Alors tout ce que tu as dit, tu vas le faire à Mordechai. Tu vas mettre la couronne sur la tête de Mordechai. Au lieu la corde au cou, ma couronne. Mordechai, qui est Mordechai? Mordechai, Haïhoudi, Ashiyushé, Besharam, Meler. Ce Mordechai dans lequel tu es venu. Tu lis ça, et après, vous connaissez l'histoire, et après, vous lisez ça. On n'a plus de doute que Hachem, il est extraordinaire. Ou pas? Ou pas? Tu lis cette histoire, tu vois cette histoire-là, il n'y a plus de doute. Ça y est, il n'y a que la Kadosh Baruch Hu. Même si on avait des doutes sur la Kadosh Baruch Hu, tu vois toute l'histoire de Mordechai et Haman, Esther, Ahasvéros. Là, tu commences les débuts. Vaïni, ça commence avec la Gemara dit que Ahasvéros c'est un roi fou. On avait affaire avec un fou. Tu lis du début, tu termines la fin. Et c'est extraordinaire. Mais quand je vois, tu es super. Donc on n'a plus de doute. C'est pour ça, lorsqu'un homme il n'a plus de doute, la joie elle vient lorsqu'il n'y a pas de doute. Lorsqu'un homme il est convaincu. Que ça a peut-être un chemin, il est super, il est heureux, il est content. Donc je prie bien, et je prie, ah, je suis content, je t'ai mis à prière, je suis heureux, je suis bien. Mais alors je fais une prière comme ça, j'étudie, parce que j'ai pas le choix, parce que si j'étudie pas, on va me crier. Tu vas quitter après la prière à la synagogue, tu es toujours malheureux. Tu es venu malheureux, tu quittes malheureux. Tu es venu à l'Yeshiva sans vouloir. T'as pas le choix, on me force d'étudier, tu quitteras avec elle. Il y avait quelqu'un qui est venu une fois à la yeshiva, une fois, il avait la tête à Agda.
Et après la prière, je la parole d'honneur, il fallait voir comment sa tête elle était. Il était, ma mâche, on dirait, il était mort. Je dis, qu'est-ce que tu es malade? Il me dit, non, non, je suis crevé. Je dis, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es pas... J'ai peur. Je dis, c'est comme ça que tu fais quand je vois. Alors, j'ai aussi dit, c'est la prière. Une prière de... Ça, c'est Amalek. Amalek, il est avec nous. Il nous accompagne partout. Amalek, c'est le doute. Mais chez Nirnas Adar, ma bébé Simha. Le mois d'Adar, c'est le symbole de la mort du doute. Am Israël, alors nous aussi, on va bien lire l'histoire de Amalek, de Mordechai Esther. En la lisant bien, on va voir comment Am Israël, le doute qu'ils avaient, à tel point, ils ont reçu la Torah de force. La Kim ou Vikiblo. La Torah Israël, ils ont accepté la Torah. Ils ont lâché, on t'adore, on t'aime. C'était le doute. Mais écoutez bien bon, je vais, ce que je vais vous dire. Tellement que le doute a disparu chez les Bnei Israël, ils aimaient tellement à Kajbor. Écoutez, je vous en prie, écoutez bien. Tellement que ils étaient, le doute, il est parti. Tu voyais les Juifs qui marchent comme ça, avec une joie. Le Goy, il voit les Juifs heureux. Qu'est-ce que t'as? Baruch Hashem, c'est la façon comme ils ont dit Baruch Hashem. Les rabbis, mes amis, arrêtent de me dire. Lâche pas du sans doute qu'il y avait chez chaque juif, ça a influencé même le goy à devenir juif. Nous, en Israël, lorsqu'on a une émouna à Kadosh Baruch Hu, même les goyim, ils deviendront des bons juifs, pas des bons juifs. Eux aussi, on peut leur donner une hashpa, une influence de croire en Dieu, sans devenir juif. Ils diront, il n'y a que Hachem. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Sinon, on sort avec une joie de Avodat Hachem, on n'a pas de problème. Même, c'est pour ça, vous savez, mes amis, il y a quelqu'un qui m'a dit hier sur un goy, la soirée de Otsara Torah. Un serveur, un non-juif, il vient me dit, il m'a dit, j'adore votre sourire. Je dis, ah bon? Il m'a dit, voilà, vous êtes en train de sourire. Je dis, ah, qu'est-ce que je pleure? Ah, qu'est-ce que je pleure? Il dit, non, vous avez un sourire d'amour. Vous aimez ce que vous êtes. Je dis, bien sûr que j'aime. Sinon, peut-être, bien sûr que j'aime. Peut-être que tu crois. Peut-être que j'aime. Je suis heureux, je suis content que je suis juif, que j'ai un Kadosh Baruch Hu, je suis convaincu de ce que je fais. J'ai une conviction, c'est ce que je fais. Ça, lorsqu'on est convaincu, on n'hésite pas, lorsqu'on n'a pas de safek, de doute, dans notre service à Kadosh Baruch Hu, le prochain qui me voit, les prochains, les nations, quiconque qui me voit, ils vont sentir. Ils vont être inspirés. Maintenant, je vous en prie. Je vous pose une grande question. D'accord? Une grande question. Pourquoi à l'époque de Matan Torah, les Goïm, ils ne se sont pas convertis? Et là, pourquoi? Matan Torah! Il paraît que le monde s'est paralysé. Je crois que les nations, ils sont venus chez Bilham. Ils ont dit à Bilham, Bilham, c'est la fin du monde. Il a dit non. Adonai, os de Amoïten. Hachim est en train de donner la Torah. Ah bon? Et le monde, il est paralysé comme ça. Et même les oiseaux. Un oiseau qui était en train de survoler, il s'est arrêté. Un bébé qui pleure, il s'est arrêté. Une vague, un tsunami qui arrive, il s'est arrêté. La terre qui commence à trembler, il s'est arrêté. Une maison qui était en train de tomber, il s'est arrêté. Les pierres, tu les vois accrochées en l'air. Et les gens, Maolerkan, qui c'est là? Hachim, os de Amoïd. Hachem, et pourquoi il fait tout ça, Hachem? Hachem fait tout ça, pourquoi? Pour ne pas qu'un juif un jour il va dire j'ai pas entendu. Imaginez-vous, une maman qui donne à son fils à manger, et le fils il pleure, et Hachem il a dit Anouchi, et cette maman il va dire à Kajbro, j'ai pas entendu Anouchi. Pour qu'il n'y ait pas d'excuse. Quelqu'un va dire j'ai pas entendu, les oiseaux ils n'ont pas sifflé, il y avait un silence d'une manière
que même si quelqu'un était en train de se préparer, il était dit, ah! Et elle s'est allumée, ah! Et ça s'est arrêté. Pourquoi c'est arrêté? Parce que lorsqu'on est allumé, on n'entend pas. Comme ça, il a entendu un oreille. Mais la question, elle est grande. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les goyim? Eh ouais, Adonai va chramo va shalom. Shalom, ils ont dit. Shalom, coulis Israël, shalom. Ça fait, ils ont bien ça. Mais attends, mais vous êtes en train de voir le plus grand miracle des miracles. Mais devenez juifs. Vous savez pourquoi ils ne sont pas devenus. Quoi? À l'époque de Mordechai et Esther, ils sont devenus juifs. Et à l'époque de Matan Torah, où ils ont vu les vrais miracles, ils ne sont pas devenus juifs. Parce qu'à l'époque de Matan Torah, les juifs, ils ont reçu la Torah à Péonès. Les juifs, ils n'étaient pas très heureux de recevoir la Torah. Ils étaient forcés de la recevoir. Donc, avec cette, lorsqu'on est, on fait quelque chose sans conviction, ça se sent. On ne peut pas influer. Il n'y a pas d'Hashpara Tova lorsqu'il n'y a pas de conviction. Lorsqu'il n'y a pas de conviction, on ne peut pas donner une. Regardez-moi. Je vois un Rav qui prie. Et la façon qu'il prie, ça m'encourage de prier comme lui. Mais s'il prie comme ça, en dormant, ça ne m'encourage pas, ça me décourage. Une fois au Canada, j'ai vu un. J'étais assis. Je priais avec les Hasidim. Les Hasidim Bells, à Montréal. Et je vois un enfant de 7-8 ans, avec son vêtement hassidique, avec son petite casquette. Il faisait comme ça. Il priait d'une manière. Mais chaque fois, il faisait comme ça. Moi, j'étais assis, lui était debout, donc il était petit. Mais chaque fois, il faisait comme ça. Il levait la tête vers le plafond. Et il prie. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il regarde celui-là? Je vois qu'il regarde son père. Il imite son père. Son père, il fait comme ça, lui aussi, il fait comme ça. Son père, il fait comme ça, lui aussi, il fait comme ça. Il imite son père. Son père est beau texte, c'est ça. C'est ça, le. Ça veut dire, on apprend comment prier. À l'époque de Mordechai et Esther, c'est écrit, Kimu vikiblu. Ils ont dit, Naasi vinishma. Mettons, on t'adore à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi pas, à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont compris que l'amour que Hachem leur porte, combien Hachem, il leur a préparé, mamash, Yehudim, Haïta, Ora, Bissimha, Bissasson, Bikar. Vous imaginez ça? Les Juifs, ils étaient heureux, ils étaient contents de mettre des tefillines, ils étaient contents d'étudier la Torah, ils étaient contents d'aller au Beit HaMidrash, ils étaient contents d'aller prier. C'était avec une conviction, avec amour, sans doute. Il n'y a plus de doute. Rabotez, un homme qui sert le bon Dieu, sans doute. Il n'y a pas de doute, il n'a aucun. Il est heureux. Un homme qui a des doutes, il est malheureux. Un homme. Quelqu'un qui n'a pas le bitachon en Dieu, en Hachem, il est malheureux. Il est malheureux. Mais quelqu'un qui a les mouna, il est bitachon en Kadosh Baruch Hu. Comme hier, il y avait quelqu'un qui vient chez moi hier, avant-hier. Le pauvre, il n'avait rien du tout, miskin, le pauvre. Il a fait des analyses dans la prostate, il a la grave maladie. Dans le froid, il a la grave maladie. Et le pauvre, je le connais bien, il n'a que 66 ans. Je le regarde. Je dis alors, Shmuel, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je suis venu recevoir une bracha avec un sourire. Et après Stam, je lui pose une question. Il dit, vous croyez que la bracha, elle va faire son effet? Et alors, qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi pas? Rabbi David, c'est votre travail, encouragez-moi. Alors je lui dis, Shmuel, n'aie pas peur. Voilà, je suis heureux. Il sort, il est heureux. C'est ça. Si on veut consoler quelqu'un, il faut qu'il nous montre que. Si déjà lui il est malheureux, toi, ah, le pauvre miskin, ah, ça va, tu l'as tué. Ça va, tu l'as tué. Ah, tu l'as tué. Non. Am Israël, plus doute. Ça y est. Am Israël, Baruch Hashem. Peut-être vous avez compris, mais alors, pourquoi? En Israël, ils ont réussi à convaincre d'autres personnes à se convertir au judaïsme. Pourquoi? Parce que le Naasi v'Nishma à eux, ils ont dit Kimu v'Kiblo, la Yudem Aïta Aura v'Simcha Sandikar. Ils ont commencé à mettre des filines avec joie. Ils vont étudier la Torah avec joie. Ils étaient heureux. Cette conviction,
qu'ils ont montré, ça a donné une hashpa, ça a donné une influence. Le goyim, on a science de se convertir. Chose qui n'a pas été faite à Matan Torah. Donc finalement, la venue de Haman était pour le bien. Le Rabbi, écoutez bien, je termine. Hein. Tout ce qui s'est passé à Hadar, ça se réveille à Hadar. Alors, ce qui s'est passé à Hadar, le miracle du mois d'Hadar, ce qui s'est passé à cette époque-là, de conviction, les Juifs sont devenus, ils ont, il n'y a plus de ça, fait que ça, ils ne vivent plus maintenant dans le doute, dans la religion, ça se réveille. Alors, comment c'est? Mais chez Nechnas, dès que ça commence. Vous avez compris? Mais chez Nechnas, dès que ça commence, toi aussi commence. Je répète, lorsque ça commence. Vous voyez un train, vous arrivez en retard et le train commence à démarrer. Bah, pas les trains d'aujourd'hui, les trains d'aujourd'hui sont hermétiques. Mais je parle des trains il y a 30 ans, 40 ans. On pouvait encore courir et monter dans le train. Dès que le train il commence à démarrer, tu viens, ta valise, tu cours. 8 marches et tu cours. Et après, tu t'accroches et tu montes. Le mois d'Adam, il est venu, accroche. Allez, commence à lire l'histoire. Commence à te renforcer. Tu vas voir. La refoua, écoutez bien, la guérison du safek, du doute, de le service d'Hachem, et commence le mois d'Adar. Pourquoi? Je ne vais pas répéter encore une heure de cours. Mais là, Rabotai, je termine avec une chose. Comme vous avez expliqué, que vers la fin de la Megillah, on dit là-bas que Mordechai était aimé par la plupart des rabbins. Pas tous les rabbins. La plupart. C'est à chaque fois que je lis ça, je m'énerve. Je dis comment? Les juifs, les rabbins, Sanhedrin, puis s'il n'y avait pas Mordechai, vous auriez été tous tués par Haman. C'est grâce à Mordechai. Si vous êtes là, c'est grâce à lui. Et là, vous l'avez un peu délaissé parce qu'il est occupé avec le roi. Mais il est au palais royal pour vous. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai au palais royal? S'il a resté longtemps, demain, il y a un problème, il est là pour régler le problème. Et quoi, tu le quittes? Vous le quittez? C'est quoi Veratsoué? C'est dur. C'est une phrase qui est dure. Mais ce qui est impressionnant, vous savez qui a écrit Veratsoué le Rebahab? Vous savez qui l'a écrit? Mordechai et Esther, les deux. Est-ce que vous êtes capable d'écrire sur vous je suis aimé par la plupart de mes avrichim, de mes copains? Non. Moi, David Pinto, lorsque je parle de la yeshiva, j'ai dit mes avrichim. Est-ce qu'ils t'aiment? Ben oui, même. Même s'il y a un ou deux mervolim, c'est un ou deux, ils ne me supportent pas, mais je ne vais pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est un bisaïon pour moi de le dire. Je ne vais pas dire, quand oui, ils t'aiment tous, oui, tous ils m'aiment. Il y a quelqu'un. Ah. Il m'aime. Et il te fait croire qu'il ne m'aime pas, mais il m'aime. Même si je sais qu'il ne m'aime pas. Mais je ne vais pas l'admettre. Quoi? Je ne le paye même pas. C'est bizarre pour moi. Hein? Dis-moi. Oui ou pas? Et j'ai raison. Alors comment Mordechai écrit ça sur lui? De là, vous voyez, écoutez bien, la grandeur de Mordechai. Il était heureux d'écrire ça. Pourquoi? Parce que les juifs à l'époque, les rabbins de l'époque, ils étaient plus hypocrites. Ils étaient des tzadikim. Lorsque Mordechai il a vu qu'il était aimé que par une majorité, pas par tout le monde, il a dit, eh bien, ils ont raison. Ils vivent dans le émet. Ils vivent dans la vérité. Ils ont raison. Qu'est-ce que je fais au palais royal? Je devais être avec eux à la yeshiva. Lorsqu'on est à la yeshiva, on étudie la Torah, le kouah de la Torah, il a une hashpa pour ne pas faire entrer dans la tête de Hachveros qui va nous faire du mal un jour. C'est, mes amis, c'est ça le Emel. Lorsque on est à la yeshiva, l'étude de la Torah de la yeshiva, il annule les gezerot qui ont à la Knesset. Ceux qui veulent nous faire du mal, leur bouche va se taire. Mais lorsque nous, on se ralentit de l'étude de la Torah, toutes les bouches contre nous, ils s'ouvrent. Donc Mordechai leur a donné raison. Et il a dit, il faut que j'écris ça.
pour leur dire que je n'ai pas raison. Et 100%, une fois que Mordechai, il a écrit que je suis aimé que pas une partie et pas par tout le monde, parce que je ne suis pas un bon exemplaire, parce que j'aurais dû être à la yeshiva comme eux, qu'est-ce que je fais au palais? Je ne voudrais pas redonner. Une fois qu'il a écrit ça, je suis certain qu'il est retourné à la yeshiva. Je suis certain. Il est retourné. Parce que c'est pas possible qu'il leur donne raison et reste au palais. Vous avez compris? C'est pas possible. Lorsqu'on est convaincu de la chose, c'est fini. C'est ça la Megillah. La bouteille, je vous souhaite Aksameya, une bonne fête de Purim, de la joie. Et si ça ne vous dérange pas, de ce que vous avez entendu maintenant de moi, pas tout, parce que au moins, dites, quand on dit Kol Omer Dava Bishem Omro, Mibi Geola Alam, et d'où on apprend ça? De la Megillah de Esther. Batomer et Tagid Esther Bishem Mordechai. Lorsqu'on dit quelque chose de la part de quelqu'un, Ravine et Boudin Alacha, moi j'ai toujours, Baruch Hashem, fait tous, toujours, toujours, lorsque je dis quelque chose, je dis de qui je l'ai dit. Si j'oublie de qui je l'ai dit, je dis j'ai entendu ou j'ai lu. Mais jamais je vais. Parce que on dit que lorsqu'on fait, Sumisa Mevi Geola Laolam, c'est comment, c'est comme ça. On apporte un passage de. Donc, Est Hashem, que chacun de vous, il se renforce dans Avodat Hashem, dans le Mamash, éliminer le Safek, pour pouvoir éliminer le Safek, éliminer le doute, il faut Amal. Il faut beaucoup d'efforts dans la prière, l'effort dans l'étude de la Torah, l'effort dans le Ma'asim Tovim. C'est ça, Rabotai, ce qu'on apprend de cette histoire-là, de ce qui s'est passé le mois d'Adar. Mishinichnas Adar, le mois d'Adar, il commence, tu commences toi aussi. Commence à te renforcer. Commence à te renforcer dans la Avodat Hashem et commence à te renforcer dans tout ce qui est... Dans tout ce qui lie le juif avec Akash Baru. J'espère que cette semaine vous est bien. Oui, c'est les Mifhanim, ils ont fait les Mifhanim cette semaine. Ça a été? Oui. Alors vous avez reçu la Smicha ou pas? Pas encore? Bon, ben, sachez que ça soit beaucoup de Smichot et que. Un jour, ben, sachez, vous soyez des Gdolim d'Israël.